Il y a un bagage qui est plus important lorsqu'on va prendre, on fait qu'on va prendre un logiciel. Premier à vous chercher qu'on est, c'est qu'on est qui ça, logiciel, n'a fait exactement. Et l'offre qu'on ça le fait, à ce moment, tout reste bagaille ou qu'à jeune. Actuellement là, moi, en dans logiciel CorelDRAW 13 ans. Et c'est sûr que vous pourrez le voir que interface CorelDRAW 13 ans presque semblé avec interface Microsoft Word. Ou bien peut-être avec interface Publisher. Soit habitué travaille déjà dans Publisher. Donc, qui ça qui composait interface Microsoft Word? Ou du moins, interface CorelDRAW 13 que nous pourrons étudier ensemble. Nous avons numéro 1, pas beau ici, il y aurait le toolbox en anglais. C'est barre d'outils. C'est la donne où pour ajouter tous les outils qu'on a supposé besoin pour réaliser un travail quelconque dans CorelDRAW. Deuxième belle barre qui composait interface Word on a vu une pas beau ici, c'est ça relais palette couleur. Palette couleur lui-même, c'est lui-même qui gagne toute qualité couleur qui gagne en dedans CorelDRAW. Et si vous mettez pointeur souriant sous une couleur quelconque, la barre exactement non couleur Jean Lidoué y est exactement. Troisième belle barre qui composait interface CorelDRAW 13 ans, c'est ça relais barre de menu, hein. Ça relais menu barre, là. Qui sont dans File, passé par Edit, View, Layout, Arrange, Effects, Bitmaps, Text, Tools, Window, et puis Help. Toute partie ça net, et on les lit, barre des menus, en anglais, menu, barre. Bon, ici même, ce qui est arrivé jusque là, ça a habitué avec en dans Microsoft Word, ou bien Excel, ou bien Access, ou bien PowerPoint. C'est ça, le barre standard. C'est des raccourcis que le barreau sont une série de travail quelconque qu'on parle pour réaliser en tant que CorelDRAW quelconque. Donc, sorti, bon ici, hein. Rivez juste bon ici, nous relis, barre standard. Bon ici même, sorti dans letter, pour arriver juste pas bon ici, nous relis, property bar. Ça relis, barre de propriété. Barre de propriété qui parle bar propriété. Page là, ou bien propriété, chaque objet qu'on peut choisir. Mais ça ne qu'a dire pour le moment, c'est que chaque fois où choisit un objet quelconque en dedans CorelDRAW, barre de propriété a pour pour prendre une autre forme quelconque. Par exemple, là, m'en a fait avec page du travail, là. Bon, ici, barre de propriété a dit comme ça. Si me fait une expérience à avoir tout simple, si me dessine un rectangle, on pourrait carrément barre de propriété a dit changer. Si me dessine, par exemple, et mettez sous page là un texte quelconque, ou après, barre de propriété a tout, li changer. Donc, pas propriété à libre à changer selon objet qu'on mettait sous page de travail. L'autre barre encore qui est important, en tant que CorelDRAW, c'est ça, le règle de travail, là. Règle graduée. Alors, il y a une règle horizontale, il y a une règle tout verticale. Règle horizontale et règle verticale. Et causer règle graduée, ça, yo, nous parlons pour utiliser en pile dans CorelDRAW. Par exemple, on a dragué les gants là pour me créer une sorte de délimiteur. On a dragué vertical là tout pour me créer tout un délimiteur vertical. On a dragué autant de fois des ça relève ligne de guide dans CorelDRAW vertical ou bien ligne de guide horizontale tout. L'autre belle petite barre qui gagne dans l'interface encore, c'est ça relève bar d'état, ça relève statut bar. Nous habitué avec bar d'état ça dans Microsoft Word tout. Mais gain barre d'état tout dans CorelDRAW. Avec nous gain page du travail là, page blanche ça Corel. C'est-à-dire tout ça on va gain pour écrire, c'est sur page ça pour écrire sous voulez que lorsque vous terminez pour l'aller dans impression dans imprimante là. Ça pas veut dire tout que deux page là, ça n'est dans espace de travail interfaçant, baka écrit tout. Avantage CorelDRAW gain c'est que vous ca écrit n'importe quoi vous voulez. Maintenant, si vous voulez que le travail ou à l'imprimer, il faut que vous mettez sous page de travail là. Donc, il y a une page de travail là qui est important, il y a tout, espace de travail là tout, qui joue un rôle important tout, en dedans, CorelDRAW. Et puis, en haut, nous avons une barre de titre là. Barre de titre, nous habituons avec déjà tout, dans n'importe quel logiciel que vous ouvrez, ou pas jouer une barre de titre tout. Qui est caractérisé par trois barres toujours, c'est bouton closant, bouton restore avec bouton minimisant. Ça y est, nous habitués avec eux déjà.
Encore, ça n'a pas déjà tout. C'est ça que les règles graduées. Ça n'a pas les rouleurs. Il y a un vertical rouleur, il y a un tout horizontal rouleur. Ça n'a pas les règles horizontales, excusez-moi, ça n'a les ascenseurs horizontales, ça n'a les tout ascenseurs vertical. Ça n'a les vertical scroll bar, il y a un tout horizontal scroll bar. Ce sont les ascenseurs que nous habituons avec tout en dedans Word ou bien Corel Draw ou bien Photoshop, quel que soit le logiciel qui gagne, qui s'agit de l'ascenseur horizontal, qui s'agit toujours de l'ascenseur vertical. Allez, sous machine, regardez bien est-ce qu'on voit l'exercice et puis, on va dire comment ça t'est.